Salut, moi c'est Mathieu, je suis leader communauté cuisine chez Audio à Reims et je suis ravi d'être là. Je vais vous apprendre mes recettes, mes trucs et mes astuces. Alors, aujourd'hui je vais vous apprendre à dégraisser un bouillon. C'est ultra simple. Donc là je vous prends l'exemple avec un fondant de volaille qu'on vient de faire. Du coup en surface, on a plein de points tachetés. On a l'huile avec laquelle on a démarré le bouillon et on a aussi le gras du poulet, tout simplement. Qui est venu se mélanger avec le bouillon. Donc, il y a plusieurs solutions pour dégraisser. Vous pouvez très bien juste passer en surface avec un pochon ou une louche pour enlever le gras, mais vous allez perdre de la matière, vous allez perdre du bouillon. Du coup, ce que vous pouvez faire également, c'est le laisser refroidir une nuit. Comme ça, la matière grasse, surtout la matière grasse animale, va figer, vous allez pouvoir l'enlever en surface très facilement. Ou alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez utiliser un chinois piston, passer votre bouillon dedans. Laissez décanter un tout petit peu pour que le gras revienne en surface et ensuite au-dessus d'un récipient, vous venez passer votre bouillon. Je m'arrête là et je ne reste qu'un moment. Voilà, comme ça vous obtenez un jus bien tout. Merci de m'avoir suivi, j'espère vous avoir aidé ou vous avoir appris quelque chose. N'hésitez pas à passer en magasin ou nous trouver en